pas beaucoup, mais je fume régulièrement, on va dire. Ouais. Pour dormir, pour... Ça vous aide? Pour ça que j'ai la dernière fois, c'était hier matin. Chez moi. Si vous faites pousser chez vous? Non, non, je suis pas poussé, j'achète. Vous achetez? Ouais. C'est pour ça que j'aurais bien aimé le garder. C'est combien, là? Ouais, il y a 10 grammes, à peu près. Vous avez acheté ça combien? Comment? Oh, non, mais allez-y. Ouais, il y a même un peu plus. On va dire 15. Ouais, d'accord. Ouais. La centrale de Civaux? Ouais. Non, Saint-Laurent. Saint-Laurent, d'accord. Et vous allez jusqu'où? Là, je rentre à Bordeaux. Ok. On va procéder à un petit contrôle de votre véhicule, vous pouvez sortir. C'est votre véhicule personnel? Oui. D'accord. Passez à l'arrière du véhicule, s'il vous plaît. Le coffre est fermé. Le coffre est fermé. Oui, en fait, c'est déverrouillé. On a l'habitude de faire ça. T'es arrivé d'où là? La centrale. La centrale. Et là maintenant, vous allez? À Baye. À Baye, ah, d'accord. Week-end. D'accord. Ouais. Et vous faites quoi la maintenance? Vous faites. Ouais, enfin c'est la logistique avec Techman. Ouais. Honnête. D'accord. Allez, je pensais que c'était un peu plus contrôlé dans les centrales quand même. Ils vous font pas si de. C'est contrôlé quand même. Et vous faites des dépistages stupéfiants? Tous les ans. Bah, vous passez à travers. Ouais, à peu près, voilà. Donc on arrête quand il faut et puis. Ouais, d'accord. Il y en a qui passent à la trappe par contre. Ah oui? Qui font faire pipi les copains à leur place. Et ça marche ça? Ah bah oui. Il y en a une fois qui s'est fait gauler parce qu'il a fait pisser sa femme. Et elle était enceinte. Donc, Ça c'est. Ça c'est dommage. C'est le jeu, c'est pas de chance. Bah, je vais pas pleurer, hein, c'est... Voilà. C'est le jeu. Je fume pas beaucoup, mais je fume régulièrement, on va dire. Ouais. Pour dormir, pour... Ça vous aide? Pour ça que j'ai la dernière fois, c'était hier matin. Chez moi. Si vous faites pousser chez vous? Non, non, je suis pas poussé, j'achète. Vous achetez? Ouais. C'est pour ça que j'aurais bien aimé le garder. C'est combien, là? Ouais, il y a 10 grammes, à peu près. Vous avez acheté ça combien? Comment? Oh non mais allez-y. Ouais, il y a même un peu plus. On va dire 15. Ouais, d'accord. Ouais. On n'avait pas arnaqué. Vous avez acheté ça à combien? 60 euros. 60 euros? Ah, c'est pas cher. C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Non, c'est pas cher, en plus il y a 15. Ouais, 15 grammes. T'avais 15 grammes, ouais. J'avais 15. Ouais, c'est une petite quantité. C'est une petite quantité. Hein. Donc là, on va s'orienter sur un arrangement transactionnel avec monsieur. D'accord. Pour une petite quantité comme ça, on a la possibilité de proposer un arrangement transactionnel. C'est-à-dire que ça ne va pas en justice, monsieur va devoir s'acquitter d'une pénalité, et puis la marchandise sera saisie. Voilà. C'est ça, hein, on essaie de trouver les plus grosses quantités possibles. Hein. Après, voilà, monsieur transporte une petite quantité, bon ben... On va relever l'infraction, quoi. Mais ce qu'on recherche en priorité, c'est les grosses quantités, quand même. Parce que notre... on a un rôle, quand même, en matière de lutte contre les grands trafics. Et voilà. Donc, bon, là, c'est plus de la consommation que du trafic. Là, c'est de la consommation, voilà. Monsieur est consommateur. Enfin, j'imagine. C'est ça, monsieur? Bon, vous allez avoir 50 euros d'amende. Ouais. Vous avez de l'argent sur vous, quoi? J'ai que ma carte. Ouais. C'est... Alors, ouais, il y a un distributeur là-bas, hein, à la station. Je vais regarder, mais là, je crois pas. Faites les fonds de poche. Parce que l'arrangement, il est valable que si vous payez sur le champ. Hein. Hmm? Vous allez retirer, ouais. Je les aurais pas. Bah, la station, après, la station. Ouais. Plus loin, il y a une station service à 10 km d'ici. Ouais. Il y a un retrait, il y a un distributeur d'argent. Vous savez? Ouais. Bon, on va aller là-bas. Je vais vous suivre. Ouais, parce que vous n'avez pas le choix.